Tourisme, il a démarré en monoplace et voilà les Lada. Donc Jean-Louis est là, X est là. D'abord, il a un très très bon engin puisqu'il a une Mitsubishi capable de gagner. Je crois qu'il va observer dans le début de course, mais on peut être surpris. C'est un pilote rigoureux et c'est un pilote sûr. Et nous, je ne sais pas si c'est une impression, j'ai l'impression qu'il va plus vite que Vatanen, X. Eh bien, nous en parlions tout à l'heure. Je pense que ce moteur Porsche fantastique qui motorise ses prototypes Lada, Samara, est tout à fait à son aise sur ce terrain glissant. Vous savez que ce sont de tout nouveaux prototypes qui ont été mis au point par la société Oreca Duc de Chonac, conçu par la Serra. C'est un projet très audacieux de Jean-Jacques Poc, l'importateur, qui s'était retiré l'an dernier pour la première fois depuis les débuts du Paris-Dakar, afin de mieux préparer son retour. Il a misé sur des hommes expérimentés. Jackie X, donc une fois vainqueur en 83 avec Mercedes, responsable de l'engagement de Porsche au Paris-Dakar dans les années 84, 85, 86 et qui avait permis la double victoire de René Medj. Donc Jackie X, un homme parfaitement expérimenté. Et voici Tambay qui vient de démarrer. Et alors Tambay X, est-ce qu'on risque d'avoir au sein de l'équipe Lada Poc cette année une pièce de monnaie pour faire pile ou face? Non, je ne crois pas. D'abord, je ne pense pas que le team manager de Lada recourt à ce moyen, premièrement. Deuxièmement, je crois que Jackie X et Patrick Tambay, alors qu'on a aperçu Noël Carl, mais je ne sais pas s'il est Noël, si vous voulez intervenir, vous ne vous gênez pas, vous nous le dites, hein, bien sûr. Parce que nous. Ben, voilà. Gilles, oui, avec Hubert Auriol. Alors, comment on pourrait qualifier ce prologue aujourd'hui? Je pensais que c'était, ça aurait pu être Holiday on Ice, mais c'était plutôt Holiday on Blue. Je pense que malheureusement, à part se faire repeindre pour les spectateurs et nous pourrir les voitures, il n'avait pas grand intérêt sportif. C'est peu dommage parce qu'en fait, il suffisait de faire moins long et de mettre du sable et ça aurait fait un prologue super, mais là, c'est une horreur, c'est vraiment une horreur. Alors, le buggy, par rapport au Pharaon, a connu quelques modifications, non? On a beaucoup travaillé en finition sur la voiture, on a beaucoup simplifié les montages et là, la voiture est pas mal, elle est pas mal. Voilà donc le buggy, normalement rendez-vous à Dakar si tout va bien. Ah ben à Dakar j'espère, mais bien placé à Dakar, ce serait mieux quand même. Donc voilà, tout ce que Hubert Auriol désire, c'est que son buggy arrive à Orion et bien placé. C'est tout le mal que nous souhaitons à vous. Merci Noël, et nous retrouvons maintenant la course. Enfin, il faut dire que pour l'instant, voilà le meilleur temps.